Nous sommes 14 en permanence à naviguer sur cette goélette. 6 scientifiques, 6 marins, un cuisinier et un journaliste. François était officier de pont pendant 4 mois à bord de Tara. Il profite des rues de Savannah pour prendre quelques dernières photos. Des photos, il en a fait des milliers. On a travaillé pas mal avec les scientifiques, ils nous ont appris plein de choses, on a échangé pas mal de choses. Eux, ils ont appris à naviguer, nous, on a appris plein de choses sur le plancton, sur les océans en général, quoi. C'était super intéressant. Et puis la diversité des endroits où on est passé, quoi. Les trois océans, l'océan Indien, le Pacifique, l'Atlantique, je suis allé dans des endroits où je ne serais jamais allé si j'avais pas embarqué, quoi. Voici une cabine typique de Tara. Vous voyez, il y a deux bannettes. On vit à deux personnes dans cet espace. Bah là, pendant 2 mois, on était 15. 15 à bord, 24 sur 24, sur 36 mètres de long, sur 10 mètres de large. Donc c'est vrai qu'on est un peu tous les uns sur les autres. Une des choses que je trouve le plus fantastique, c'est très démocratique ici. Tout le monde fait tout. On est tous à faire on a tous notre travail, mais à part le travail, tout ce qui est la vie à bord, on donne tous tout ce qu'on a et on fait tous pareil.